la mer. Un amour trompe de l'air, il pêche au figuré, pêcher c'est leur mignon péché. Un clin d'œil polisson, un seul coup d'hameçon, des ou ils sont vainqueurs quand ils pêchent les cœurs. Les pêcheurs de la martiale sont des vieux loups que rien n'égale. Oui, mais c'est un poteau de la cigale, le doux éclat de la galoupe. Quand dans les cœurs ils font pescale, à l'écorce ils prennent tout. Les pêcheurs de la martiale sont les trois voyous des poteaux. Charme clair a pris mon âme, et quand parfois sa grosse voix rugit plus fort, elle est pour moi plus belle encore. Mais quand le port arrête en fête, j'oublie alors grains et tempêtes. Chant dans l'air et fait à l'univers. Comme une femme, j'aime la mer. Les pescadours de la martiale sont des vieux loups. Ce matin, eh, bien heureux d'être rentré aux portes, tu sais. Alors la pêche a été bonne? Eh non, la belle, aujourd'hui on n'a pas fait barbe d'or. Alors les sardines, les clients les payeront 600 francs le kilo, et, ces hommes. Et Margot, tu l'as pas vu? Elle était là tout à l'heure. Oh, Margot! Elle est belle, Margot. Elle a des jambes qui vous tendent les bras. Ah, que pénible. Eh, Balaste. Oh là. Elle tombe bien, hein. Oh, bonne mère, voilà. Fondue. Ah, oh, Margot. Dis, on en a pas pris beaucoup, mais on t'a gardé la plus grosse part. Oh, t'es brave, tiens. Un. Deux. Je t'aime, tu sais. Ah. Et toi? Trois. Et t'as dit quelque chose? Vite, tu as fait bon poids, hein? Oh, je te vois ce soir. Je sais pas. Six. Et ton mari? Mon mari, il est de service. Dis, Margot. Oui. Tu crois qu'il serait content s'il venait t'apprendre un jour que tous les deux... Oh. Bah, c'est pas pour son contentement que je le fais, non? Naturellement. À 9h chez toi, hein? Oh, j'y serai pas. 9. Tu y seras, je te dis. Oh, pénible. 10. Tu veux la finir? À ce soir, sans faute, hein? On verra. Oh, pénible. Ce n'est que moi. Oh, ma pauvre Margot, j'ai failli ne pas te revoir. Ah, pourquoi? Vous avez eu mauvais temps? Oh, c'est un pataclysme, mauvais temps, une tempête. Un cyclone, une tornade, un cataclysme, un naufrage. Et bien après, puisque tu dis toujours que tu veux te suicider pour moi, alors? J'ai voulu le faire l'hiver dernier, mais j'ai pas pu. J'ai eu la grippe. Ah. Oh, bonne mère, si tu fais un jour qu'elle tombe dans mes bras, je t'enverrai un cierge que tu t'en rappelleras longtemps. Mais tu sais bien que tu perds ton temps puisque j'aime toi, Ney, alors? Mais lui, il te comprend pas, comme moi. Oh, ben, tu sais, les hommes qui me comprennent et ceux qui me plaisent, c'est jamais les mêmes, alors? Mon amour pour toi est pareil à celui de l'anchois pour la sardine. Écoute, dans la calanque de mes gens, ils s'étaient connus en nageant. Lui, c'était un très bel anchois, et elle, une petite sardine de choix.
Toute sa vie, elle le refusa, mais un jour, il la retrouva. Ils étaient tous les deux en bouquet dans les ordres d'un banquier. Dis donc, mais tu deviens bonne. Bon, eh ben, je te laisse, hein, parce que tu as travaillé. Ah, mais tu me gênes pas. Ah oui, mais moi, ça me gênerait parce que j'ai rien à faire, alors. Tiens. Oh, la corne, mon mari. Alors, pas au papa. Une seconde, j'attends ma femme. Voilà. T'étais encore avec toi, né? Mais non. Tu t'intéresses à lui plus qu'à moi. Qu'est-ce que tu ferais si je venais à tomber malade? Prévenir le docteur. Oh, tu me donnes des maux de tête que le docteur peut pas guérir. Tu travailles ce soir? Jusqu'à minuit. Pourquoi tu me demandes ça? Alors, toi, laisse ma corne tranquille. Oh, Lisa, oh, tu grandis, tu sais. Tu te fais de plus en plus belle, hein? Et toi, de plus en plus protadouche. Oh là! Dis, Tony, oh. Tu n'es pas venu dimanche dernier au Catalan. Oh, tu crois? Mais je suis sûre de ce que j'avance. Oh là, tu as raison. Adieu, ma belle. Bonjour, Tony. Bon, bonjour, Manine. Ça va? Et alors? Il est fait ses raviolis. Oh, vous fâchez pas, mignonne. Oh là là! Tu viens au cinéma ce soir? On joue à nous la liberté. Ah, ça tombe mal. Ce soir, je suis pas libre. Mais à bientôt. Bonjour. Je vous ai apporté votre linge, monsieur Planet. Tu l'as reprisé comme la dernière fois? Tout juste. T'es gentil. Je t'ai fait peur? Mais non! On t'a jamais embrassé? Tardi. Et comment il a fait? Il a fait comme ça? Exactement. On vous dérange? Eh oui, on se prépare. Elle est mignonne. Justement, je m'en allais. Ah oui. Mon Dieu, je ne sais vraiment pas. C'est pour une fête, un mariage, un baptême? Mon Dieu, pas précisément. C'est-à-dire que... Oui, je vois. Elle est jolie. Oh, alors, monsieur.
suffit comme ça. Oh, ce que c'est joli, ça. Et qu'est-ce qu'il y en passe? Ben pour la fête cubaine, c'est tout à fait ce qu'il faut. Et qui va aller le livrer à la réserve? Oh, moi. Francine, c'est toi qui iras. Oui, maman. Et c'est Malou qui m'accompagnera. Oh, oh, c'est son œuvre. Mademoiselle. Tiens, voilà ton admirateur. Comme d'habitude. Oui, monsieur bien-aimé. Il est pas bien beau, mais ça se voit pas trop. Comment le trouves-tu? Je le trouve marié. Et les prétendants à la main gauche, c'est pas ça qui manque. Et je ne suis pas libre pour les petites courses. Merci. Et je vous ai apporté votre littérature favorite, les magazines de cinéma. Merci, je les ai déjà lus. Dès qu'ils arrivent de Paris, la première cliente au kiosque, c'est elle. J'ai une grande surprise pour vous deux. Vous le savez peut-être pas, mais il y a ce soir une fête cubaine. Pas possible. Où ça? Mais à la réserve. La direction m'offre le champagne. Oui, je suis invité, comme dans tous les cabarets de Marseille, d'ailleurs. Moi, je ne paye nulle part. C'est amusant d'être riche. Et oui, ça vous évite de dépenser de l'argent. Ma table est à vous. Impossible, ce soir, nous ne sommes pas libres. Où allez-vous? À la fête cubaine de la réserve. Mais pas avec vous. Mais avec qui, alors? Avec un chapeau. Ça fait plus de 10 000. Oui. Alors, c'est comment le dépenser cet argent que tu as perdu aux cartes? Je ne l'ai pas perdu, tu as triché. Toi, même quand tu te fais des réussites, tu triches. C'est possible que je triche, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu joues mal. La page des spectacles. Opéra. La favorite. Que ça ne m'intéresse pas. Il y a la cul et nous sommes trois. Au gymnase. Ondine. Ondine. Il y a ni l'heure ni le menu. Allez, on va tirer au sort. Hein. Oui. Ça va? Au sort. Où ça tombe? Hein? Oui. Vacances au Tibet. Où ça? Faites l'ascension de l'Himalaya. On a passé d'argent. Oh, pénible. Tu aimerais être riche, toi? Ah, moi, je donnerais jusqu'à mon dernier sou pour être millionnaire. Ah oui. Allez, il faut se décider vite. Ou allez, surtout que Margot va venir, je ne tiens pas à la voir. Hein. Tu as la chance, toi, quand une femme est ta maîtresse, elle ne regarde pas les autres hommes. C'est peut-être parce qu'il continue à regarder les autres femmes. Oui. Oh, j'ai trouvé. Oui? On va à Cuba. À Cuba? Oui. Attendez-moi une seconde, il me faut des souliers. J'en ai bien une paire, mais je les ai plus mises depuis la communion de mon neveu. Et alors, tu viens, pieds plats? Alors, ça vient, oui. Je vais changer de godasse, je vous rejoindrai. Avec ces vernis, j'ai les agacés en capilotable. Oh. Voilà. Vous allez que vous êtes habillé des dimanches. Ah, mystère. En voiture. Roulez. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Regarde-moi la minute que je reviens. Oh, pas si vite. Alors, tu viens? Eh, marche devant, j'ai rencontré une charrette. Écoute, Girelle, tu es mon ami. Alors, dis-moi, tu es sûr que ma femme et toi, née, ils ne vont pas se retrouver ce soir? Ce soir? Oh non, ça, j'en suis sûr. Si vous êtes pressé, vous n'avez qu'à aller à pied. Dis, tu es sûr que Margot et toi, née, tous les deux... Ah, ça, je peux te jurer que... Que quoi? Que je les ai jamais vus. Mais... Figure-toi que Margot soit un tramway. Eh? Oui, un joli petit tramway a une place pour moi tout seul, et qu'un gros engin ne s'amuse à faire le passager clandestin et à voyager sans billet. Qu'est-ce que tu ferais? Ben, je le ferai descendre ou je le ferai payer. Non, je ne vais pas jusque-là. Dis-moi, tu es prêt à parier avec moi qu'il n'y a rien entre eux? Parier, non, mais je peux te donner ma parole d'honneur. Ah là là, mon pauvre Girel, qu'est-ce que j'ai fait d'épouser une femme du Nord? Ma pauvre mère avait raison, elle me disait toujours, si tu te maries, marie-toi dans ta ville, dans ta rue, et si tu peux, dans ta maison. Bon, dis donc, Charlot, si tu vois ta femme ce soir, lui dis pas que t'as vu ton nez ici. Oui, d'accord. Ciao.
il ne veut pas que je lui dise. Ça irait bien, mais est-ce que je peux aller comme ça? Je voudrais bien savoir où ils ont mis le chapeau. Allez, on s'en va. Pardon? Par ici, mademoiselle. Je m'excuse, mademoiselle, mais cette table est réservée. Messieurs, cette table est réservée. Réservée? Et réservée par qui? Évidemment, c'est pas de vous, je veux discuter, allez chercher le maître d'hôtel. Oui. Oui. Messieurs? Non, mais c'est pas avec vous, je veux discuter. Allez me chercher le gérant. Monsieur Robert. Messieurs? Je veux discuter avec personne ici. Là. Ah, pardon, cette table est réservée. Ah oui? Mais par qui? Mais par nous. Mais il n'y a pas de carton. Ah, mais quelqu'un aura dû le mettre dans sa poche. Nous la prenons. Eh bien, nous aussi. Oui? Et si on la prenait ensemble? Et pourquoi pas? D'accord? D'accord. D'accord. On se présente. Douanet Mattei, Girel, amour de Dieu, industriel. Oui, nous fabriquons des sardines à l'huile en gros au Vallon des Orges. Et nous, nous faisons du cinéma. Du cinéma? Garçon! Du champagne! À vitesse! Tu es seul, Étoinel? Mais je sais pas où il est allé. Et toi, où tu vas? Nulle part. Mais tu étais prêt à partir, tu as la casquette sur la tête, pourquoi? Pour l'essayer. Tu vas retrouver Toinet? Non, non, la preuve, regarde, j'ai les espadrilles. Bon, ben je vais l'attendre. Mais si tu veux. Mais où tu vas? Mais je te l'ai dit, nulle part. Alors retire la casquette. Et puis aide-moi, hein? Oh là là, mais qui est-ce qui a cassé tout ça, hein? Ah, on voit bien qu'il n'y a pas de femme ici, tiens. Mais non, il n'y a pas de femme. Un doigt de moucheux. Oui, oui. Alors comme ça, vous êtes des artistes de cinéma. Je vous ai jamais vu. Vous allez souvent au cinéma? Tous les samedis, parce qu'avec notre usine, nous sommes très occupés. Vous avez vu l'orpheline du Far West? Oui, l'orpheline du Far West. Eh bien, nous n'y étions pas dans celui-là. Ah. Vous avez vu Terreur sur la ville? Non. Dans celui-là, nous y étions. Mais oui, Terreur sur la ville, on l'a vu, le film sur les martiens. Et qu'est-ce que vous faisiez? Des rôles. Il n'y a que deux rôles de femmes, une vieille dame et une petite fille. C'était nous. Non. Vous savez, le maquillage, ça change tellement. Ah, oui, le maquillage. Et oui, je vous reconnais maintenant, ça y est, parfaitement. Oui, 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 j'y suis. Oui. Pénible, quelle heure est-il? 11 heures. 2 heures de fichu. Si tu avais voulu, on ne les aurait pas perdues. Bêtise. Premier mot gentil que tu dis ce soir. Bah, où est ma boucle d'oreille? Oh, tiens, la voilà. Oh là là. Quoi? Qu'il fait chaud. Oh, bah, prends un verre de mousseux, ça te rafraîchira les idées. Là. Mais enfin, qu'est-ce que tu trouves à ce toiner? Je le trouve beau. Eh bien, c'est pas dans les cages les mieux peintes que les oiseaux chantent le mieux.
pas d'autre femme que vous. Je ne peux donner mon âme qu'à vous. Vos yeux si doux, votre présence amie, pour me charmer, vale plus que tout. La vie devient plus jolie par vous. Je vais faire une folie pour vous. Mon cœur jaloux vous suivra n'importe où. Je ne veux pas d'autre femme que vous. J'ai connu d'autres amours, le roman n'est qu'un seul jour, mais je sens que désormais mon cœur est pris à jamais. Je ne veux pas d'autre femme que vous. Je ne veux donner mon âme qu'à vous. Vos yeux si doux, votre présence amie, pour me charmer, valent plus que tout. La vie devient plus jolie par vous. Je veux faire une folie pour vous. Mon cœur jaloux vous suivra n'importe où. Je ne veux pas d'autre femme que dans votre vie. Oh, il y en a beaucoup. Quand il y en a beaucoup, ça ne compte pas. Et vous? Oh, moi.
C'est dommage que vous soyez une star. Disons une starlette. Vous devez en recevoir des fleurs. Des fleurs, j'en suis entourée. Puis pour se permettre de fréquenter une starlette, il faut être au moins prince, maradja, aviateur. Industriel. Je pense que le jeune premier vous tient dans ses bras et vous dit je vous aime. Et il vous embrasse. Vous lui montrez le baiser gros plan au cinéma? Moi, je connais bien la question. Et au cinéma, c'est ce que je préfère. Vous avez le baiser paternel, fraternel, pudique, pudique, alors. Hypocrite, là, juste derrière l'oreille. Là. Il paraît qu'on le recommence souvent, celui-là. Puis alors, vous avez le baiser sexy, profond. Il est censuré, celui-là. Sont plus qu'à nous, il est pour toi mon cœur, il est pour moi ton cœur, vers le bonheur glissons, oublions tout, dansons. Oula, oh, la masse me tourne la tête. Tant mieux, pourvu qu'elle tourne une fois de mon côté. Vous voulez bien qu'on se revoie demain au studio? Et vous ne pourrez pas entrer au studio. Ça fait rien. Je vous attendrai devant la porte. À quelle heure sortez-vous? À 7 heures. À 7 heures. Et à quel hôtel êtes-vous descendu? Des cavaliers. Bien vite. On va pouvoir rattraper le temps perdu. Il fait chaud. De plus en plus chaud. Tu vas prendre une douche? Tu as raison. Si je me prenais la température, je ferais éclater le thermomètre. Ah, c'était toi, pénible. C'est toujours celui dont on ne se doute pas. Charlot, ne te laisse pas tromper par les apparences. C'est pas par les apparences, salaud, que je suis trompé, c'est par toi. Si je ne me reconnais pas, je te casserai par la fenêtre. Daisy. Seulement, voilà, tu te retiens. Lève-toi là. Oh, Girel. Je me demande ce que t'as pu leur raconter à ces petites pour qu'elles se soient sauvées. Bon, je leur ai pas dit grand-chose. Je leur ai dit qu'on avait des succursales en Afrique du Nord, en Algérie, en Tunisie, en Amérique, dans le monde entier, quoi. Ah, pas plus. Ah, tu ne te corrigeras jamais de dire des mensonges. Je ne mens jamais. La vérité, je l'enjolive un peu. Elle me plaisait, tu sais, cette petite. Ah. Dire que je la reverrai peut-être jamais. Alors ça m'étonnerait, parce que je lui ai dit aussi que tu étais riche comme Crésus et que tu pouvais faire courir la Gacan à coups de billets de 1000 d'ici jusqu'à Singapour. Alors là, il vaut mieux que je ne le revoie pas. Oh, Banast, quelle heure il est? Tiens, la colle de Charlot, il doit être 1h. Pénible qui n'est toujours pas rentré de la pêche. Avec la tempête de cette nuit,
Lui qui ne sait pas nager, il est peut-être en train d'apprendre. Mais bon, il sait nager. C'est vrai ce qu'il dit, lui. Ah. Toute la nuit, je t'ai attendu. Pourquoi? Pourquoi? Ben parce que je t'aime, tiens. Et ton mari? Oh, mon mari, à force de le voir tous les jours, matin et soir, j'ai fini par l'oublier, celui-là. Eh bien, alors oublie-moi aussi. Toi, depuis que tu as été à la réserve, tu as rudement changé, hein? Une femme s'aperçoit vite de ces choses-là. Eh bien, c'est la vérité. Alors quoi, c'est fini, nous deux? On n'était pas heureux tous les trois? Toi et moi, on se disputait tout le temps. Mais alors, ça s'est vu, ça? Et il y a des gens qui peuvent pas se quitter tellement ils se disputent bien ensemble, alors? Hein? Oh, la corne! Mon mari! Oh, Charlot, t'as eu un accident? Non. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'est arrivé que je sais tout. Quoi tout? Toi, ne fais pas l'innocent, hein? Je comprends pas ce que tu veux dire. Ne me prends pas pour ce que je suis, tu le connais. Qui? Tu le connais même très bien. Peut-être? Il est tout près de toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je raconte que si tous les cocus avaient des clochettes, on m'entendrait venir de loin. Mais explique-toi. Mais je peux pas mieux m'expliquer où il est. Qui? Où il est ce valipier que j'en fasse du farci? Où il est? Mais qui? Votre ami pénible. Quoi? Tu vas pas nous faire croire que pénible est marouille. Oui, oui, je vous le dis, oui, je préfère vous l'apprendre moi-même plutôt que vous l'appreniez par les autres. Oh, allez, va, Charlot. Écoute, tes clients t'appellent. Qu'ils attendent, j'ai bien attendu un an, moi, pour savoir qui c'était. Je vais te faire un aveu. À un moment donné, j'ai cru que c'était toi. Non. Oui. Alors là, Charlot, tu me fais de la peine. Me faire ça à moi, dis à moi, un collègue du quartier. En général, c'est entre collègues que ça se fait. Mais j'ai pas envie de rire. Dites bien à M. Pénible qu'il se fasse gaffe, hein. Parce que moi, je l'ai à l'œil. Mmh. Ça se voit. J'ai pas le cœur à plaisanter. Alors, on part ou on part pas? Je viens, bande de sauvages! Adieu, Toiné. Ciao. Et encore toutes mes excuses pour t'avoir soupçonné. Ouais, je t'en veux pas, va. J'arrive! Et si je les écoutais, ils me feraient franchir le mur du son. Ouais. Je commence à comprendre pourquoi cet hypocrite de pénible n'est pas venu nous rejoindre cette nuit à la réserve. Il devait avoir autre chose à faire, t'es le voilà, hein. Oh, pénible, t'as eu un accident? Pire, un drame de la mer. Figurez-vous que j'étais au large des îles de Pomègue quand tout à coup, il est sorti une baleine. Et pend d'un coup de nageoire, elle m'a éborgné. Mais je me suis pas démonté, hein. D'un coup de poing. Ne te fatigue pas, elle sort d'ici, ta baleine. Elle est partie conduire le tram. Ah, vous savez? Ouais. Oui, nous savons tout, Don Juan. Mais vous savez rien parce qu'il s'est rien passé. Malheureusement. La pêche a été bonne? Et elle aurait été bonne si j'avais pêché. Ah. Mais j'étais tellement fatigué d'avoir rien fait que j'ai dormi. Eh bien, pendant que tu dormais, nous sommes devenus millionnaires. Hein? Vous avez gagné à la loterie? Ah, mieux que ça. Nous sommes propriétaires d'une grande usine où les sardines que nous pêcherons seront mises en boîte. Et où elle est, cette usine? Elle est là, dans l'imagination de Monsieur Girel. Pour l'instant, c'est vrai. Mais rien n'empêche qu'elle existe un jour. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle y soit, l'usine là-haut sur la colline? À peine quelques millions. Hein, rien. On irait pêcher les sardines, on les débarquerait ici, zou, un peu de sel, tac, un peu de poivre, hop, un peu d'huile, et 10 à la douzaine dans une boîte. Et tu n'oublies qu'une chose, nous n'avons pas les millions. Ah, mon pauvre Toiné, si c'est pas malheureux, intelligent comme tu es, que tu restes un simple pêcheur. Mais si tu le voulais, on pourrait l'avoir, l'usine. Et quand tu reverrais Francine, tu pourrais lui dire, je vous ai pas menti. Qui c'est ça, Francine? L'ami de Malou. Des petites qu'on voit dans les cinémascopes. Des filles tellement belles que lorsqu'elle tombe le mouchoir, il faut se baisser pour le ramasser. Ah, ça c'est vrai. Mais nous n'avons pas un sou et personne pour nous en prêter. Moi, je connais une grosse riche que si elle voulait... Qui? Ma tante Clarisse, de Parpentard. Mais c'est vrai. Elle nous a déjà prêté l'argent pour acheter la barque et lui a remboursé. Qu'est-ce qu'on risque de lui demander? Mais on risque rien. Allez, venez, on va lui écrire. Hein? Oui. Salut! Oh, Lisa! Oh, porte-nous de quoi écrire, hein? À tout voilà! Lâche-moi! Je vais faire un malheur! Je veux ma photo dans les journaux! Laisse-le, Charlot! Laisse-le, pénible, tranquille! Il a un virus dans la tête! C'est un intellectuel à m'en faire! C'est vrai, c'est vrai! Mais oui, continue! Explique-lui! Ça lui vient de naissance, il a fait de tout temps bien des extravagances, c'est un pauvre innocent. Il n'est jamais tranquille, car il a le cerveau gros comme une lentille. Peu cher, il est idiot, piqué, cinglé, ananana, dingo.
C'est un fondu, un momo, un jobastre, un fada. Il transpire de la cervelle, c'est pas tout, car il a ma belle. Une favouille là-dedans, qui lui mange le jugement depuis longtemps. Oh, peu cher, il est dans cet état. Tout petit, sans le faire exprès, il bulle au tout près, ça l'a fatigué. Tout petit, il sortait déjà, sans chapeau, c'est ça qui laisse cagassa. Un fondu, un momo, un jobastre, un fada, là. Que tu as bien pu leur raconter. Oh, pas grand-chose. Que nous étions engagés à Hollywood pour tourner avec Gregory Peck, Gary Cooper, Marlon Brando. C'est tout? Oh, ben tant que j'y étais, j'ai vu gras. Ah, je leur ai dit aussi qu'ils nous faisaient la cour. Madame Olivier, pas vrai que c'est bon de rendre un homme jaloux quand on est jeune? C'est bon aussi quand on est moins jeune. Seulement, c'est beaucoup plus difficile. Tu crois qu'on les reverra? Toi, tu es amoureuse. Oh, pas du tout. Tant que ça. Bonjour, mes jolies. Je vous apporte des places de cinéma et tous les programmes de la semaine. Je voudrais vous demander quelque chose qui m'intéresse. Mais c'est accordé d'avance. Bonjour, mademoiselle. Je voudrais de très jolies roses. Par ici, madame. Vous êtes dans le commerce. Vous connaissez pas deux garçons qui ont une usine au Vallon des Offes? Deux garçons? De quel genre? Oh, jeune, beau. Oui, c'est ce qui vous intéresse. Oui. Comment s'appelle-t-il? Eh bien, celui qui a dansé avec moi, il est grand, les cheveux noirs, les yeux châtain clair, un petit grain de beauté sur l'oreille, les épaules larges. Je vois, vous l'avez à peine remarqué. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, à part d'être beau garçon? Il a une usine de sardines. Ouais, c'est probablement un petit hareng. Je vous permets pas de l'insulter, hein? Oh, comme vous prenez sa défense. Mon Dieu, si ce garçon vous plaît, fréquentez-le. Vous verrez où ça vous mènera. Mais dites-le, insultez-moi aussi. Je serai une petite garce si je fais avec lui ce que vous voudriez bien que je fasse avec vous, hein? Avouez qu'il y a de ces hasards. Si vous n'étiez pas allé seul à la réserve... Monsieur bien-aimé, il y a de coïncidences que dans les cœurs. On s'en aperçoit après. J'ai lu ça dans un livre. Allez, laissez-moi maintenant. Je vous aurais prévenu. Mais oui, tenez, reprenez les places, allez-y vous-même au cinéma. Vous y verrez que le printemps va avec le printemps et l'automne avec l'automne. Malou... Vous êtes méchante. Il faut toujours avoir une jeunesse. Et l'âge où on se décide d'être jeune importe peu. Excusez-moi. Je voudrais des rouchers. Ils sont frais. Je comprends. Ils sont des frisidaires. Oui, mais je veux dire, ils sont vraiment frais. Oui, bien, c'est pas en les tripotant que vous les rafraîchirez. Me dites, on peut les regarder quand même, non? Tu veux quelque chose, ma belle? Voir un cinéma. Toi qui habites le Vallon des Offes, tu connais pas deux beaux garçons qui ont une usine de sardines? Ah non, je vois pas ça. Ah, si, il y a bien une ou deux usines là-bas, mais tu sais, les bâtiments, ils sont pas bien beaux, hein. On les usine non plus, d'ailleurs. Merci. J'ai réfléchi, je peux les sentir. Santé. Bon, je vous la prête, mais n'abîmez pas, hein, parce que le Parisien, il serait pas content. Oh, mais t'inquiète pas, tu peux avoir confiance. Ils vont me la ramener ce soir. Oui. Dis-donc, il y a de l'essence? Non, il n'y a pas beaucoup. Eh bien, mes 10 litres, on ne l'usera pas, va. Mes 10 litres, va. Mais attention, n'abîmez pas, hein. Non! Pas. Vous n'avez pas vu l'écriteau? Pour la figuration, complet. Mais permettez. Attendez. Pour le prochain décor, il me faut des filles en robe de soirée. Vous avez des photos? On n'avait pas pensé à voilà. Ça. Encore plus idiote que les autres. Fiche-moi l'armée! Et merci mille fois pour toute vos gentillesses. À demain! Sur vous pour le divan de ma loge. N'oubliez pas. Bonjour, monsieur Pagnol. Cinq minutes plus tard, nous n'étions plus là. Alors, j'ai eu de la chance. Hein? Vous connaissez Marseille? Non, tout le temps. Ah, alors suivez le guide. Et voilà.
voilà, faisant sa prière, celle dont nous sommes si fiers, la bonne mère, à ses pieds, baignée de lumière, le Pharo, le Fort Saint-Jean, la Canadière, et tous les bateaux, petits et gros, qui font sur l'eau le tour de la terre. Avouez qu'elle a tout pour plaire, la ville qui possède la Canadière. Maintenant partons tous en bateau, loin du plancher des vaches. Et laissons-nous balancer par les flots, loin du plancher des vaches. La joie dans l'âme sur notre esprit, allons mesdames pour s'applaudir. N'ayez pas peur, faites un petit saut, hop là, sur le plancher des vaches. Oh, vieux château d'If, charmant trésor des îles d'or. Oh, sous le ciel bleu, combien tu parais merveilleux. Dans les coins vermoulus de tes tours, quand s'éteint le jour, on entend un doux chant, c'est l'écho de Monte Cristo. Elle chante prétend que les amants seront fidèles. Quand ils ont gaiement prêté serment sous ses tourelles. Restez là, souriez, mieux encore. Quel charmant décor. Ah, vieux château d'If, charmant trésor des îles d'or. Et maintenant reprenons le bateau et largons les attaches. Et regagnons le vieux fort aussitôt et le plancher des vaches. Suivez le guide. Installez-vous, je prends les guides, amusons-nous. Ah, qu'il fait bon, qu'il fait doux, qu'il fait beau, sur le plancher des vaches. Au petit trot, tout autour de la corniche, au petit trot, en voiture comme des riches, entre l'eau et le ciel bleu, nous ferons le voyage le plus merveilleux. Et malgré que la route soit trop brève, si nos cœurs tendrement font un beau rêve, nous nous croirons, tu verras, dans un sleeping tout le long de la rivière. Car lorsqu'on s'aime d'amour extrême, tout paraît plus beau ici bas. Au petit trot, tout autour de la corniche, en voiture comme des riches, nous trouverons au retour notre bonheur, notre jeunesse et notre amour. Pour finir, descendons ma chère, notre canne bière, c'est la rue la plus populaire. Notre canne bière, elle part du vieux port et sans effort, coquin de sort, elle exagère, elle finit au bout de la terre. Notre canne studio, j'y sais pas. Oh, je sais que vous y serez. Vous l'avez dit au concierge quand j'étais là. Allez, vous savez, moi, j'ai beaucoup de mémoire. Et on ne peut pas me mentir. Au à demain. Au revoir. Oui, évidemment. Bonjour. Ah, bonjour, Margot. Elles ne sont pas encore rentrées, Malou et Francine? Pourquoi? Vous avez quelque chose à leur dire? Oui, le renseignement que Malou m'a demandé, je l'ai maintenant. Ah,
Je connais très bien les deux industrielles du Vallon des Ouffes. Ah, tant mieux, elles vont être contentes, elles ne font qu'en m'en parler. Je ne peux pas en venir à bout de ces filles avec cette histoire. Oh, bonjour, petit, comment ça va? Bon, ben, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Au revoir, Margot. Enfin. Tu veux des fleurs pour ta mère? C'est ça que tu viens chercher? Ah, ben, je vais t'en acheter un très bien, tu vas voir. Pardon, madame. Dispensez-moi de tout autre préambule, mais votre renseignement m'intéresse au plus haut point. Tiens, à quel titre? Mais le meilleur, j'aime Malou. Oui, enfin, comme un frère, comme un frère aîné, comme un oncle. Mais enfin, mettons, comme un père. Oui, eh bien, je vous conseille de la surveiller, votre petite fille. Elle est en danger? Vous savez, leurs jeunes industriels, eh bien, ce sont deux petits pêcheurs de sardines. Voilà. C'est une véritable usurpation d'identité, ça. On va en prison pour moins que ça. Je vais mettre Malou au courant. Ah, surtout pas. Non, mais je veux les confondre, les ridiculiser. Non, non, pour ça, j'ai une idée. Écoutez-moi. Une lettre de Marseille. C'est sûrement de mon neveu pénible. Qu'est-ce qu'il me veut encore? Il m'écrit que quand il a quelque chose à me demander. Il n'y a personne, il tourne à l'intérieur aujourd'hui. Bah, ça fait rien, laissez-moi entrer. Et puisqu'il n'y a personne. Justement, je veux visiter. Faites comme chez vous. Vous voulez visiter le studio, vous aussi? Si possible. Ah, oui. Ah, oui. Faites comme chez vous. Merci. Seule? Je vous attendais. C'est le décor de la scène que je dois tourner demain. Ah, ah. Un wagon. Et qu'est-ce qu'il s'y passe dans ce wagon? Oh, c'est toute une histoire. Je suis dactylo, j'ai un patron qui ne m'a jamais vu, jamais remarqué parmi les autres. Mais les gens de cinéma sont fous. Et moi, ce garçon me plaît. Mais tout nous sépare. Et brusquement, on me donne 2 jours de congé. Oh, alors, ça marche? Eh, on va voir. Vous prenez le train. Alors dépêchons-nous, il va partir. Où allons-nous? Monte Carlo. Bon, et alors? Et alors, je rencontre mon patron. Mm-hmm. Nous sommes dans le même compartiment. Il me remarque, il me fait la cour. Il veut savoir qui je suis. Je peux pas lui dire je suis votre dactylo, ça ficherait tout par terre. Mm-hmm. Alors, je lui dis, je suis une riche héritière et je ne suis pas libre. Dans ce film, je mens à tout le monde. Et aussi à moi-même. C'est gentil, puisque c'est pour lui plaire. Enfin, vous voyez le cadre. Un rapide qui file sur la côte d'Azur à 150 à l'heure. Mmh. Attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Ça va? Ça va. Allez, tu peux rouler, essaye encore. Je voudrais que ce train ne s'arrête jamais. Les trains finissent toujours par s'arrêter. Puisque nous sommes seuls, je vais vous poser une question. Vous voulez bien que je vous aime? Vous ne répondez rien? Pourquoi? Parce que dans le film, je ne réponds rien.
Bon, allons sur la passerelle. Mais le train a dû se tromper de route. Je croyais que nous allions monter car. Nous y sommes. Il y neige quelquefois. Oh, on essaye la neige. Allez, allons-y. Je suppose que nous sommes par une belle nuit de Noël et qu'il a préparé pour elle de jolis cadeaux. Oui, mais après cette belle nuit, ils se quitteront et ne se reverront jamais plus. Mais je ne veux pas. Je ne peux rien y changer, c'est dans le scénario. Elle rêvera de lui. Et lui pensera à elle. Entre un souvenir rêvé et un souvenir vécu, quelle différence? Aucune. C'est un frisson, c'est un désir, une photo, une chanson. C'est une fleur dans un coffret, c'est dans le cœur un petit nom doux et secret. C'est un ruban de cheveux roux. C'est nos 20 ans qui ne reviendront plus pour nous. C'est un départ, c'est un retour. Mais c'est toujours, toujours beaucoup d'amour. Nous croyons que le vent porte tous nos beaux rêves effacés. Et pourtant que de choses mortes vivent encore dans le passé. Un souvenir, c'est un roman. On vit fleurir et puis mourir un seul printemps. C'est le tourment d'avoir connu le dénouement d'un grand bonheur qu'on a perdu. C'est un adieu qu'on vous a dit, les larmes aux yeux, et maintenant tout est fini. Un souvenir, c'est un cœur lourd, et c'est toujours, toujours un grand amour. Un souvenir. Malou, j'attends une lettre. Et si elle contient ce que j'espère, je vous parlerai. Ça changera peut-être votre vie et la mienne. Antoinet, Girel. Oui. Une lettre de tante Clarisse. Non, tu es sûr? J'attends pas d'autres lettres. Tu vois cette enveloppe? Il y a une usine. Tout notre avenir, un grand bonheur. Malou, Francine. Mon cher neveu, pour me demander 4 ou 5 millions, tu ne m'as sans doute pas bien regardé. Aussi, je t'envoie ma dernière photo. C'est tout ce que je peux faire pour toi pour l'instant. Reçois néanmoins pour la réussite de ton affaire les meilleurs voeux de ta tante Clarisse. Clarisse. Ta tante qui refuse une affaire pareille. Elle est... Ça m'étonne pas, elle te ressemble. J'en suis fier. Elle a eu un premier prix de beauté en 1895. Toinet, tu l'aimes, Francine? Ah, comme si tu ne savais pas, dis. Alors il faut qu'elle soit sur la colline, l'usine. Oui, même si je dois la bâtir de mes mains, une pierre après l'autre. Alors, nous allons avoir un bravo moment. Oh, les collègues, on vous verra cet après-midi à la fête, hein? Oh, on rigolera. Et on sait pas, et on n'a pas le moral. Il n'y a pas de... Je
connais vos deux industriels du Vallon des Eaufs. Ils sont très riches. Venez au jeu toutes les deux cet après-midi, vous les verrez. Oh, je voudrais bien, mais ça me gêne. Figurez-vous, cette idiote de Malou nous a fait passer pour des artistes de cinéma, alors. Oh, ça, c'est trop drôle, alors. Et pourquoi? Pour rien, pour rien. Allez, venez au zoo et n'ayez crainte, hein. C'est pas moi qui vous trahirai. À tout à l'heure, hein. Qui c'est les étrangers? Les étrangers, c'est ceux du quartier d'à côté. C'est vrai ce qu'il dit lui. Mais tu as le souffle un peu court. Oh, c'est gentil de me faire rire. C'est la première fois que tu me fais rire depuis notre nuit. Oh. Vous partez déjà? Oui, il y a deux stars de cinéma. Là. Toine et moi, on les connaît. Oui. On s'était passé pour des industriels, alors on est... Elles vous font peur, oh. Mais... Vous en faites pas. Allez. C'est pas moi qui vous trahirai. Ni moi non plus. Des gaffes, j'en fais jamais. Oui. Excusez-moi, je te confie Margot. Parce que moi, j'ai une affaire d'honneur à régler. Ah. Ta fille, allons-y, mon Dieu. Bonjour. Eh bien, pour une surprise, c'est une surprise, hein. Comment ça va? Bonjour. Ça va bien. Ah, il y a longtemps que vous êtes là. Il arrive, on va faire du bon. Les choses. Ah. Justement, j'ai besoin de sardines. Ah. Vous devez en avoir un stock important. Vous pensez, on a... Oui. Oui, oui, oui. Non, mais combien, à peu près? Ben, je n'ai pas eu le temps de les compter. Ah, mais vous avez tort. Oui. 500 000 boîtes. Oui, oui, j'en ai l'impression. Oui, 500 000 boîtes. Eh bien, bon, je les prends tout de suite. Ah. Livrable demain. Non, 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 je ne peux pas. J'ai déjà d'autres commandes. Mettons 200 000. 200 000, c'est... Bah, non. Allons, mettons 100 000, alors. 100 000. Oui, alors, voyons, 50 000. Oh, vous n'allez pas me refuser ça. Voyons, mademoiselle. Mademoiselle, assistez pour moi. Allez, on signe. Je connais les prix. Moi pas, je... Vous, je vous vois venir. Vous êtes dur en affaires. Et nous ne pouvons pas disposer des marchandises.
Notre tante Clarisse de Barbantane est notre commanditaire. Et nous avons besoin de sa signature, voilà. Ouais, oui, non, mais j'ai compris, moi. Je paierai plus cher. Ah, vous êtes très fort, très fort. Vous m'avez eu. Non, mais ça me plaît, moi. Quand vient-elle? Je ne sais pas. Non, mais, non. Oui, enfin, voyons, en sa qualité de gérante statutaire, doit venir vérifier les comptes une fois par semaine. Si elle dispose de la signature sociale. Mais hein? C'est un peu ça, oui, c'est oui, ça. Oui, eh bien, mettons samedi. Mettons, oui, oui, hein? Samedi. Bon, oui, eh bien, samedi, je vous invite au cercle, à mon cercle, au cercle des nageurs. Oui. Et on signera. Voilà. Ah, vous m'avez eu tous les deux. Ah, je me suis embarqué, moi. Et nous aussi. À nous deux. La dernière fois, je t'ai pas dit adieu. Ça fait rien. On se voit si souvent. Tiens, voilà la serviette, mon chéri. Je vais t'apporter ton peignoir, mon amour. Merci, ma belle. Bravo, Charlot. Merci. Tu es là aussi, Malou? Mm-hmm. Elles ont dû m'applaudir, hein, les stars de cinéma. Je leur ai plu, hein. Tu les as pas vues? Mais non, pourquoi? Parce que j'aimerais bien savoir où elles sont pour ne pas faire de gaffe. Figure-toi que Toine et Girel se sont fait passer auprès d'elles pour deux gros fabricants de sardines. Si c'est pas malheureux, deux petits pêcheurs de rien du tout. Oui. Et heureusement qu'on m'avait averti, autrement j'aurais pu faire un de ces pastis. Parce que c'est drôle. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Je peux pas comprendre. Hein? Qu'est-ce que vous prenez? Un citron pressé. Alors deux. Dites-moi, Toine, je voudrais demander quelque chose. Oui? Je voudrais voir où vous travaillez. Ah non, je vous en prie, ne me demandez pas ça aujourd'hui. Pourquoi? Ah, pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'usine n'est pas en état de vous recevoir. Et la seconde, c'est que le jour où vous viendrez, ah, je voudrais qu'il y ait des fleurs partout. Quand j'ai vu votre visage, ah, quel éblouissement! J'ai cru voir en un mirage toutes les fleurs du printemps. Vous avez l'éclat de la rose et la fraîcheur des jasmins. La rouge églantine est éclose sur vos lèvres de caramel. Les bleuets sont moins bleus que vos prunelles. Pour mon cœur, il n'est de plus belle fleur. Vous avez fraîcheur des jasmins et la fraîcheur du jasmin. Alors, qu'est-ce que tu as décidé? On y va à ce cercle des nageurs ou on n'y va pas? Il me plaît ce garçon, tu sais. Eh bien, alors, on y va. Oui, mais on va être entraînés dans une de ces histoires. Ben alors, on n'y va pas. Au fond, ça me ferait de la peine de ne pas le revoir. Alors, on y va? Oui, mais un garçon qui ment comme ça, ça me fait peur. Eh bien, alors, on n'y va pas. Il ment comme un Parisien. Et nous, on l'a dit la vérité? Non, mais nous, on a le droit de mentir. Nous sommes des femmes. Alors, on y va, ce cercle des nageurs? Oh, je sais pas. Quand elles s'apercevront que la tante Clarisse n'est pas là,
Nous aurons l'air faim. Alors on n'y va pas. Et pourtant, j'ai l'impression, quand elle est près de moi, que je ne lui suis pas indifférent. Alors on y va. Quand elle saura la vérité, elle se dira, voilà des garçons qui ne se prennent pas pour ce qu'ils sont. Et c'est pas très joli, joli. Ben alors on n'y va pas. Dommage, parce qu'avec l'argent de la commande, on pourrait la construire, l'usine. Des fois, à la base d'une fortune, il y a simplement un beau mensonge. C'est une escroquerie. Peut-être. Mais une bonne affaire, c'est souvent une escroquerie qui a réussi. Là, fais un peu la petite vieille. Ça doit être agréable, hein, de réaliser un beau mensonge. J'en étais sûr, ils n'ont pas osé venir sur cette fameuse tente commanditaire. Au fond, j'aime autant ça, mon entrepôt est plein de sardines. Oh, mais c'est trop tard. Vous voyez bien, personne à l'horizon. S'ils avaient dû venir, ils seraient déjà là. Eh ben, nous n'avons plus qu'à nous en aller. Oh, on peut bien attendre encore un petit moment. Ben, si leur absence vous chagrine, je vous consolerai. Ne prenez pas cette peine, les voilà. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bien. Nous commencions à ne plus vous espérer, monsieur. Excusez-nous. Oui. Un embouteillage sur la corniche. Ah. J'ai préparé votre contrat. Parfait. Il n'y manque que la signature de votre tante. Justement, Francine, à ce sujet, je voulais... Si une vieille dame vous demande. Ah, ça doit être la tante Clarisse. Hein? Et qui veux-tu que ce soit? Vous permettez, je vais... Qu'est-ce que vous vouliez me dire, Toinette? Oh, maintenant, plus rien. Je vous présente la tante Clarisse de Barbanta. Chère madame, mes hommages. Je les accepte. Asseyez-vous, je vous en prie. Mademoiselle Malou, mademoiselle Francine. Bonjour, madame. Bonjour, mes enfants. Elles sont charmantes, ces petites. Oui. Vous avez fait bon voyage. Très bien, merci. Vous êtes un galant homme. Et, tante, vous n'avez pas eu mal aux pieds cette fois. Non, regarde, côté. La tante Clarisse est très difficile sur le choix de ses chaussures. Désolée, madame. Camomille, lait, eau minérale. Un pastis. Tout. Bien. Un cigare. Non, 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 merci. Je veux bien. Non, la tante Clarisse ne fume pas le cigare. Mais comment? Tu sais bien que l'oncle Jules m'en a donné l'habitude. Elle traite les affaires à l'américaine. Je retourne à l'eau, vous venez? Il y a encore du soleil. Oui, je veux bien. Voilà, tante Clarisse. Nous vendons à ce monsieur 50 000 boîtes de sardines. Quoi? Quoi? Ah, à 500 000 boîtes, d'accord. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne peux pas accepter ça. Soyez tranquille, ils ne les livreront pas. $35 la boîte comme convenu. Avez-vous lu les clauses du contrat? Oui. Non, mais avez-vous bien lu l'article 11? Ça durera un mois. Nous sommes bien d'accord. Mais oui. Tenez, tantine, signez là. Où ça? Là, là. «
vous dirait que l'arrivée de cette dame vous a surpris. Oui, plutôt. Enfin, je pensais qu'à son âge, elle hésiterait à voyager. Elle est très fatiguée et tout effort lui est interdit par son médecin. Oh! Revenez! Revenez, tantine! Vous allez vous noyer! Mais non, ça fait rien! Je me régale! Je vous en prie, madame! Vous êtes une imprudence folle! J'ai chaud, hein? Tu sais ce qui me ferait envie à présent, c'est de prendre un bon verre. Ah, surtout pas, hein? Je sais pas ce qui me revient à te gifler. Mais moi je le sais, c'est la trouille. Allez, avance, c'est une douce. Ah! Si tu m'embêtes, je vous jette à l'eau, hein? Voilà. Là. Voilà. Garçon, un pastis! Triple! Il ne manque plus que ta signature. Dans 3 mois, nous avons livré 500 000 boîtes de sardines. Oui, parfaitement. Hein? Dans quel pastis on s'est mis? On est en pleine panique. Et le Farak a fait un faux. Un jour ou l'autre, il faudra avouer qu'on ne peut pas livrer ces sardines. Ah, je te l'avais dit. Alors pourquoi s'engager par écrit? Allez, un mensonge en entraîne toujours un autre. Et comment nous sortir de là? Il faut tout avouer à la tante Clarisse. Mais voilà, mes enfants! Oh, j'ai trouvé. On va tout avouer à Francine et à Malou. Ça, on a toujours le temps, hein. Mais plus nous attendrons, plus notre situation sera grave. Attends. J'ai une idée. Non. On va se débarrasser d'un seul coup du contrat, de l'usine et du mensonge. Non, pas possible. Mais comment n'ai-je pas songé plus tôt? Mais allez, va, dis vite. Mais tu ne devines pas, il s'agit de la tante Clarisse. Oh, voilà, mes enfants. On va la tuer. Non, pas ça. Vous allez trop loin. Mais non, trop loin. Moralement. Tenez, venez. Allez, le fichu. Les mitaines. Le sac. L'ombrelle. Nous poussons la barque au large. Et après? Demain, nous dirons que la tante Clarisse, qui mettant le pédalo, elle a fait une promenade en barque. Une tempête. On retrouve la barque sans elle avec les pieds sa conviction. Et nous n'avons plus qu'à te pleurer. Pom, 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 pom. Vous n'avez pas froid? Non, la nuit est si douce. Vous avez eu un deuil récent? Hélas, notre tante Clarisse, là, que vous aviez vue si vivante. Si dynamique? Oui, un accident stupide, une fatalité imprévue. Elle a voulu aller se promener en mer ce soir-là. Et elle n'est pas revenue. Non. Je vous présente mes condoléances. Merci. Elle aimait trop le pédalo. Oui. C'est bien triste pour vous. Et pour vous aussi. Je ne vois pas... Mais on va pas pouvoir vous livrer les 500 000 boîtes, hein? Non. Ah, je regrette, messieurs, je comprends votre chagrin, mais les affaires sont les affaires, et l'article 11 est formel. Voyons. En cas de non-livraison, il est prévu une indemnité forfaitaire de 2 millions, sauf en cas de force majeure. Mais le décès n'est pas un cas de force majeure. Ah, le décès... Tu vois? La jurisprudence est absolument catégorique, messieurs. Voulez-vous que je vous dise les derniers jugements du tribunal de commerce? Non. Je vous ferai payer votre dédit jusqu'au dernier centime. Je regrette, messieurs. J'attends votre livraison et je vous salue, monsieur. Monsieur. Et je vous présente encore toutes mes condoléances. Merci. Messieurs. Haro, venez vite! Le monsieur de l'auto, il veut vous parler! Il dit que c'est très grave!
Messieurs, je viens vous apporter une mauvaise nouvelle, hélas. Eh bien, alors ça, c'est la série, hein. Vous allez être bien triste, bien désolé. Oh, on l'est déjà. Monsieur, c'est moi qui ai tué votre tante Clarisse. Hein? Oui, oui, vous avez devant vous un homme désespéré. Remettez-vous, je vous en prie. Du moment que vous avouez aussi. Oui, vous voulez savoir les circonstances, évidemment. Évidemment, nous voulons les connaître, surtout que nous ne savons rien. Hier soir, dans le port, j'ai reçu à bord de mon yacht quelques amis. Quand ils m'ont quitté, j'ai fait une petite promenade en mer avec une amie. Qui est mariée. Ah. Et moi aussi. Oui. Mais pas ensemble. Ça arrive. En arrivant en vue des îles Pomègue, j'ai entendu un choc énorme. Je venais de heurter la barre où se trouvait madame votre tante. Je me suis précipité, mais trop tard. Je me présente, Leonidas Ajax, Constantin Garopoulos, armateur. Très heureux. Enchanté. Et voilà tout ce qu'il reste d'elle. Son fichu, ses mitaines. Son petit sac. Messieurs, je ne trouve pas les mots. Eh bien, alors dites rien. Laissez-moi parler. Oui. Je suis préparé à réparer. Monsieur, nous n'accepterons pas un centime. Mais c'est pas seulement la tante Clarisse que vous avez tuée, mais notre plus beau rêve. Une usine sur la colline. Une affaire superbe. 500 000 boîtes de sardines vendues avant d'avoir posé la première pierre. Vous dites? 500 000 boîtes de sardines vendues avant d'avoir posé la première pierre. Ah. La tante défunte devait être notre principal commanditaire. Vous dites? Mais il est sourdingue. La tante défunte devait être notre principal commanditaire. Oui, c'est pour nous une perte irréparable. Ah, laissez-moi parler. Oui, absolument brave. Si. Vous dites? Rien est irréparable dans les affaires. Où voulez-vous monter votre usine? Ça m'intéresse. Ouais, venez. Pardon. Voilà. Laissez-moi parler. Bel emplacement. Je la vois comme si elle y était. Peut-être qu'avec 5 millions. Oh, vous voulez faire la chose en grand, c'est un point de vue. Alors, 10 millions. 10 millions. Laissez-moi parler. Vous voulez faire, comme on dit, mettre le paquet. J'aime prendre les risques, ça m'a souvent réussi. Mettez 15 millions. Hein? Nous sommes les rois des menteurs, des embrouilleurs et des farceurs. Les blagues ne nous font pas peur. Nous sommes les rois des blagueurs. Quelle fortune que nous sommes, quelle fortune que tu es, quelle fortune que nous sommes. On est les vrais Marseillais. Sommes-nous grognons? Non, toujours réjouis. Pour chacune, on est une vraie fortune. Ignorant la nuit, oui. Jamais nous ne pleurons, nous prenons en somme la vie comme nous pouvons. Bientôt nous aurons bâti notre nid. Quand nous aurons notre usine de sardines, nous aurons réalisé nos projets. Oh! Nous tâchons d'être à la hauteur des bâtisseurs, des constructeurs. Aucune tâche ne fait peur, car il s'agit de sauver mon bonheur. Quelle fortune que nous sommes, quelle fortune que tu es, quelle fortune que nous sommes, on est les vrais Marseillais. Ma petite fille, il faut voir les choses comme elles sont. Elle est un peu là, l'usine. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a l'air de vous embêter. J'ai 500 000 raisons de me faire du souci. Deux bières. Deux bières. Très bien, Lisa. Allô? Non, mademoiselle, toi, n'est pas là. Trouvez la place en usine. Dragon 28-37. Voilà, Lisa.
C'est trop bien fait, ce contrat. Impossible de me dégager. Je suis ruiné. Je suis désolé. Pour les yeux d'une fille qui ne m'a rien accordé. Oh, mais je suis un imbécile. Enfin, tant pis pour moi. Quand on est marié, il faut aimer à domicile. Ah, qu'il dites-vous. Moi aussi, ça me fait de la peine de tromper Charlot. Ça me fait encore plus de plaisir. Alors, entre les deux... Hein. Et moi, j'ai été un jeune homme trop sérieux. Et ça, c'est très grave. Quand on ne fait pas de bêtises à l'âge où elles sont excusables, on les fait à l'âge où elles ne le sont plus. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? De bons repas. Ah. C'est la seule chose que je suis à peu près sûr de faire 2 fois par jour. Oh. Allez, messieurs, dans toutes les rues de Marseille, et dites partout que... Les sardines de Tante Clarisse sont les meilleures. En route, messieurs. Parfait. Il faut que notre slogan frappe l'imagination du consommateur. Bien, monsieur. Son bureau. Ouais. Bon. Allô? Allô? Oui. J'écoute. Denise. Oui, mais j'écoute. Oh, excuse-moi, je suis occupé. Je vois, je vois. Allô? Allô? Oui, bonjour. Vous devez vous demander ce que nous sommes devenus? Mm-hmm. Oui, nous sommes à Nice. Encore 15 jours de studio. Oui, et après nous passons par Marseille. Alors venez vite visiter l'usine. Il y aura des fleurs partout. À bientôt. J'irai. J'irai. Oh, Girel. Ouais. Toi aussi, tu es occupé? Eh, hey, tu vois bien. Ah, bravo, tu es riche à présent. Il me semble que je rêve. La fortune, ça te va bien. Tu me plais comme ça. Tu me troubles. Ah oui. Oui, seulement moi, je ne peux me donner à un homme que quand je connais tout de lui. Alors, dis donc, raconte-moi un petit peu... Comment vous avez trouvé l'argent pour bâtir l'usine? Eh bien, voilà. Tu serais capable de te mettre à table? Eh bien, ça dépend de ce qu'il y aura à manger. Tu connais le menu? Eh bien, voilà. Figure-toi que, tu sais... C'est formidable, ça. C'est une chose extraordinaire. Je t'assure, tu peux me croire. J'écoute. C'est quoi, enfin? C'est tout le contraire de ce que tu t'imagines. Mais alors, tu vas le dire, oui ou non? Non, je peux pas le dire. La tête sur le bio, je ne dis rien. Et la tête sur l'oreiller, C'est ignoble! Personne n'est ce qu'il est, chacun est un autre! Tais-toi! Hein? Toine et Girel se sont fait passer pour des stars! Francine et Malou pour des industriels! Et Pénible pour Tante Clarisse! Tais-toi, laisse-moi continuer! Je dis rien! Hein? Je dis rien! Hein? Je dis rien! Toine et Girel le sont devenus parce que Pénible, Clarisse est mort sans mourir! C'est naturel, ça? Et c'est à cause de ça que les 500 000 boîtes de sardines seront livrées, tout ça pour plaire à ces stars qui n'en sont pas, par des industriels qui ne devraient pas l'être! Tu as compris? Bien sûr, c'est simple! Il n'y a pas que les gens qui peuvent vous faire cocu, les événements aussi s'en chargent. Et comment, hein? Ah. Mais tais-toi, bon Dieu! Laisse-moi parler! Si seulement la tante n'avait jamais existé, hein, eh bien, il n'aurait pas touché un sou, tiens, et j'aurais gagné. On n'aurait pas pris les fleuristes pour des stars, et Pénible pour Clarisse. Tu commences à comprendre, oui? Oui. Dis, hein? Répète-moi ce que tu viens de dire. Oh, mon pauvre vieux, mais tu comprendras jamais rien. T'es bouché, tiens. Je n'y crois pas. C'est une histoire à dormir debout. Bon. Eh bien, bonne nuit, hein. Attendez.
Je veux en avoir le cœur net. J'en ai des choses à vous apprendre. Ma femme m'a tout dit et j'ai compris. Je sais que la tante Clarisse, c'est pénible et que Francine et Malou ne sont pas des stars. Qu'est-ce que tu racontes? Ce sont des petites fleuristes de la préfecture. Tu es sûr? Je te le dis. Oh, merci, merci. C'est merveilleux, Gérel. C'est merveilleux. Oui, mais je me demande ce que ma femme vient faire là-dedans. Et moi? Moi, qu'est-ce que je suis dans tout ça? Mais on va pas te le redire, non? Non, bien sûr. Maintenant que je le sais, je suis délivré de cette cruelle incertitude. Allez, adieu. Adieu. Qu'est-ce que toi? J'ai que je suis un malheureux. Non, simplement un siphonné. Que tu racontes à Margot qui le dit à son mari. Elle le dira à bien-aimé, qui le dira à Garopoulos, qui ira le dire à la police. Et ça ira encore plus loin. Jusqu'où? Jusqu'où? Ça ira jusqu'à la prison. Tu es le Judas du ballon des offres. Allez, viens. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Et où sont ces messieurs? Ils étaient là. Ils ont dû aller dans la salle de fabrication. Et comment vont les affaires? On ne peut mieux. Ça démarre très bien. Canailles! Où sont ces canailles? Je leur ferai rendre d'or. Je veux les voir immédiatement. Et de qui voulez-vous parler? Mais de Toinette, Girel. De petits schnappants sans scrupules. Ils m'ont fait croire qu'ils avaient une tante. Oui? Eh bien, cette tante n'existe pas. Comment? Elle existait parce que c'est moi qui l'ai tuée. Mais non. Je vais vous expliquer. Ainsi, nous étions grugés tous les deux. Eh oui. Ah, l'escroquerie a été montée avec astuce. Des machinations, des manœuvres frauduleuses, tout y est. Il faut que ces fripouilles me rendent ma signature. Et mon argent. Sinon, je les ferai condamner. Doucement, messieurs. Vous en faites du bruit. Et c'est une indécence en un pareil moment, un peu de respect, je vous en prie. La tante Clarisse n'est pas morte. C'est vrai. Vous avez raison. Mais il aurait mieux valu pour vous que vous l'ayez tué. Et votre responsabilité est encore plus grande. Venez, papa. On l'a retrouvé frappé d'amnésie. Si, si. Elle a perdu la mémoire. Vous la reconnaissez, oui. Elle ne vous reconnaît plus. Vous êtes bien la tante Clarisse de Barbantane. Bat-pou-poum. Bat-pou-poum. Ne la fatiguez pas davantage. Pauvre tante Clarisse. De Barbantane à Marseille, elle n'avait pas sa pareille tante Clarisse. Avec son nez en patate, ses yeux en billes d'agate pleines de malice. Elle autrefois si gamine, peu chère, c'est une ruine, tante Clarisse. Avec toutes vos salades, vous l'avez rendue fanade, tante Clarisse. Tata, taratata, pauvre tata, tata, taratata, tata, agaga. Depuis ce triste naufrage, la pauvre, elle déménage, tante Clarisse. Elle parle toute seule, en faisant une drôle de gueule. Bateau-poum, bateau-poum. T'es tante Clarisse. Dans son fauteuil à roulettes, elle crie, elle tempête, c'est un supplice. Nous passons des nuits affreuses à soigner cette gâteuse, tante Clarisse. Tata, taratata, pauvre tata, tata. Repos. Venez, tata. Je pense que ce pénible entretien a assez duré. Vous êtes satisfait, monsieur? Excusez-moi, monsieur. Je voudrais m'entendre avec vous. Je ne peux pas décidément prendre livraison de ces sardines. Ah, pas possible, vous n'y pensez pas. Vous avez tellement insisté que j'ai dû les enlever à des clients pour vous les attribuer. Si vous ne respectez pas vos engagements, j'agirai comme vous auriez agi vous-même. Voulez-vous que je vous relise votre article 11? Madame. Bonjour, madame. Madame. Ainsi que je t'embrasse. Ça, c'est pour moi. Hein? Ça, c'est pour
sang que je te désire. Je t'en supplie. Vous m'avez toujours menti. Mais non, je l'ai vu, la tante Clarisse. C'est lui, c'est pénible, j'en suis sûre. Non, mais qu'est-ce qu'il prouve? Bon, si j'avais voulu, il m'aurait violé. Je te demande pardon à genoux. Je suis un misérable. J'ai encore tout dit à Margot. C'est incroyable. C'est toi, je salaud. Déshabille-moi. Déshabille-toi, on est bête. Ah, mais vous êtes fous. Ah, tu t'es bien fichu de nous. Nous allons te battre les fesses. Franchement, je me suis habillé d'après votre portrait. Comment? Il y a deux maintenant? Appelez-moi la police. Oui, je suis fou de joie. Le premier jour, pourquoi m'avez-vous menti? Je vous ai menti parce que vous me plaisiez. Et après? Après, j'ai continué parce que vous me plaisiez davantage. Et vous? Moi, c'était pareil. Alors, est-ce que vient cette police? L'usine de tante Clarisse m'a pris 15 millions. La tante Clarisse de Barbantane n'a jamais rien pris en personne. Je vous remettrai cette somme. L'usine est à moi. Pas si vite, c'est mon idée. C'est mon neveu. Je n'abandonne jamais une affaire après l'avoir montée. Je plaiderai, j'irai en appel, en cassation. Vous ne me connaissez pas. Vous êtes pénible, hein? Encore plus pénible que moi. Mais vous n'avez qu'à vous associer, voyons. Et pourquoi pas? Voilà la police, monsieur. Maintenant, c'est inutile. Quand nous serons mariés, c'est là que nous habiterons. C'est tout petit. C'est dans les plus petites maisons qu'il y a les plus grands bonheurs. Je connais des tas de gens qui dans la vie voient grand. Cela n'est pas un défaut, car il faut ce qu'il faut. Pour mon compte, voyez-vous, il m'en faut pas beaucoup. Moi, mon rêve le plus fou se borne à cela et c'est tout. Un petit cabanon, pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Un petit cabanon au bord de la mer sur des roches. Pour vivre il fera bon si l'amour sur son toit accroche. Son pavillon léger où l'on voit de cœur enlacé. À l'intérieur une chambre et c'est tout. Dans cette chambre-là il faut un lit surtout. Et dans ce lit un oreiller moelleux. Et sur cet oreiller il faut deux amoureux. C'est pourquoi sans façon je me dis là dans ma caboche. Le bonheur t'es mon bon, c'est un tout petit cabanon.